Je m'appelle Kouanda Balkissa. Je suis une formation ici à ID 53, commis de cuisine, commis de salle, durée de une année. Madame Badia, votre plat. 6 mois salle et 6 mois cuisine. Merci. Bon appétit. J'ai 32 ans et j'ai 3 filles. Je ne suis pas mariée, je suis célibataire. Je suis burkinabé. Je suis arrivée ici en 2004. Donc, jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours là. Tu vas doubler ta contribution. Tu vas pouvoir la manger. Pourquoi je suis cette formation? Parce que j'aime bien le métier de cuisine. C'est pour cela que je le suis. Et pour pouvoir faire quelque chose pour moi. Ouvrir un petit restaurant. C'est ça. Et avoir et travailler un jour déclaré dans la vie sociale. Moi, j'aime beaucoup la préparation. J'aime beaucoup préparer. Même chez moi, il n'y a pas la nourriture qui manque. Donc, je ne sais pas. Aller m'asseoir dans un bureau, écrire, ce n'est pas mon travail. Ça, je n'aime pas aussi. La cuisine, oui. En cuisinant aussi, je sais que c'est un métier que j'ai en main. Pas seulement dans la tête. J'ai dans la tête aussi et la main aussi, je sais le faire. Je n'ai pas vraiment fait beaucoup d'études. Mais moi, je me suis dit sûrement, si tu demandes pour faire la formation, ils vont te dire il faut être en peut-être les 3e secondaire, comme ça, ou soit plus que ça. Mais ce n'est pas le cas. Et surtout, il y a d'autres aussi qui pensent que si tu ne sais pas du tout cuisiner, on ne va pas te prendre en cuisine. Oh, c'est faux, parce qu'ici, on cherche vraiment les gens qui ne connaissent pas pour les former, pour les apprendre le métier. Et je trouve que c'est mieux toujours de venir se former. Il y a pas mal de formations. Je connais déjà 3. Je sais qu'il y a l'informatique et aide à personne. Et il y a commis de salle, commis de cuisine. Ah, j'ai préparé, c'est bien. Maintenant, il faut mettre encore du fil. Oui, ici à ID 53, c'est vraiment ouvert pour tout le monde. Comme tous les jeudis, soir, c'est là qu'on a suivi du groupe. Et là, Madame Cécile vient. On essaye de causer avec elle si chacun voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'on sait expliquer le problème. Ou soit si c'est eux aussi qui voient qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le groupe, ils nous disent il y a ça et ça que nous on voit que ça ne va pas et on doit faire ça. C'est ça le suivi du groupe. Et le suivi individuel, c'est quand tu as peut-être un problème que tu dois résoudre, c'est là que tu viens chez eux avec ton problème, ils essayent de t'aider. Je sais que le matin, si je me lève, je dois venir à la formation. Quand je finis, je dois rentrer. Mais ça n'a pas changé en mal jusqu'à ce que ça me fatigue. Je me dis, oh, c'est trop. Si je savais, je ne devrais pas faire cette formation. Non, parce que j'arrive à m'organiser et pour déposer mes enfants à l'école et revenir ici à la formation et aller les rechercher encore. Seulement que je sais que j'ai quelque chose à faire en journée. C'est pas comme que si j'étais à la maison, non. Tu mets le fou dans la bosse. Et ensuite, tu sais. Merci, toujours chef. Toujours remonter quand tu l'as utilisé. Oui. Par exemple, moi qui ai fait la formation, et quelqu'un qui n'a pas fait la formation, si je pars pour postuler, j'ai une forte chance d'avoir la place plus que quelqu'un qui n'a pas été formé. Donc, pour moi, c'est pour avoir vraiment la chance pour trouver du travail. Un café et un verre d'eau. Il y a d'autres qui sont partis pour faire le stage. Ils ont eu déjà le travail. D'autres ont déjà les promesses d'embauche. Donc, j'aimerais aussi être à leur place. Et je pense que ça va être comme ça aussi pour moi.